Bonjour, c'est Yoé, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le petit essai d'une nouvelle moto. Ha! Gay! La petite SVS 650 de 2008, notamment à deux. D'ailleurs, je suis assez choqué. Je pensais pas que ça allait être une aussi bonne moto à deux. Un petit peu plus de peps que la CB. Ça va, ça pousse quand même pour du A2, c'est du 30, je sais plus, 34, 37 chevaux, je sais plus, dites-le-moi en commentaire, je sais plus exactement les motos bridées avant, enfin les motos de 2013 ou avant, quand elles sont bridées en 30 chevaux et des brouettes, mais je sais plus exactement le nombre. Et on prend vite la confiance sur cette moto, c'est ce que je remarque énormément. On a très très vite la confiance, on est à l'aise dessus, très rapidement en fait. Elle est pas trop lourde, elle est vachement maniable. Il n'y a pas d'ABS par contre, il va falloir que je fasse très très attention avec ça. Et mes armes, donc, il est beaucoup mieux les courbes qu'avec la CV. Et j'ai tendance à beaucoup plus aller dans les tours. Alors comme je disais par rapport à la CB qui est devant, donc ma moto de tous les jours, là on est carrément sur une moto sportive, donc la position de conduite n'a rien à voir, t'es complètement penché, y a tout sur les poignets, et c'est la première fois clairement que j'en conduis une, mais ça va, on s'y fait vite par contre au niveau des poignets. Elle est en A2 d'ailleurs, donc 37 chevaux, c'est pas ouf, ça avance pas des masses. On va dire que ça passe. C'est comme sur la CV, hein, c'est mou du cul quand c'est bridé. Bon, il a changé par des Duritavia et tout le bordel, parce que bon, Suze, c'est pas très réputé pour son freinage très clingant. Mais en tout cas, ce que je retiens de cette moto, c'est que putain, l'agilité qu'on a par rapport à la CV, c'est complètement différent. On enquille les virages, mais d'une facilité. Ça n'a rien à voir. Franchement, ça n'a rien à voir. On se sent vraiment, vraiment très à l'aise en fait dans les virages. C'est super cool ça. Mais bon, le seul défaut que je trouve à ces bécanes, clairement, c'est. Putain, on a tout dans les poignets et je trouve que pour regarder, en fait, on est tout le temps obligé d'avoir la tête relevée. En fait, ça fait très très mal au cervical. Franchement, il a un très très bon freinage d'ailleurs. Je sais pas si c'est à cause des changements qu'il a fait ou pas. Je suppose, hein, parce que je crois qu'il se plaignait du freinage qui n'était pas très, très dingue à la base. C'est un double disque hein, quand même, mais le freinage d'origine n'était pas terrible. Là, c'est hyper agile. Hein. Clairement, c'est ultra agile. Tu la balades comme tu veux, la moto. Et ça change de la CB qui, elle, tu le sens, elle est beaucoup plus lourde. Mais je pense qu'elle a quand même un peu plus de peps la SV que la CB. Je pense que c'est dû au bicylindre notamment. Et il y a un truc aussi, c'est que les suspensions sur cette moto, elles sont assez raides. Je trouve ça casse un peu le cul. Mais mis à part ça, franchement, c'est assez rigolo à conduire. Je crois que je la teste en full là à mon retour du Canada. Je sais pas si vous pouvez bien entendre aussi le moteur. Je la pensais beaucoup plus bruyante que ça à la base. Mais ça va, elle est assez raisonnable au niveau du bruit. C'est un truc qu'il faut vraiment faire attention sur cette SV, c'est qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas d'ABS.
sans ABS, quand t'as l'ABS généralement sur ta moto, t'as beaucoup plus l'habitude d'envoyer sans faire toutes les tentations à tes freins. Voilà, le moindre gros freinage, on va dire, que tu peux vite déraper. Je le vois, hein, Jay, par rapport dans celui qui est la CB à l'heure actuelle, c'est quelqu'un qui avec la SV penche énormément. Donc il te pose des genoux, il te touche le calpier super facilement. Et il me l'a dit, par rapport à la CB, c'est complètement différent, t'as pas la même appréhension des virages. T'es beaucoup moins à l'aise dans les virages et je pense que c'est dû notamment au fait que ça soit un roadster contre une sportive. Mais l'appréhension des virages est beaucoup mieux sur la SV. En tout cas, très très bonne moto. Un très bon choix de la part de Jay, que je remercie d'ailleurs de me prêter cette petite décade. Voilà, c'est à peu près tout pour cette petite SV. Bon, évidemment, je vais pas vous passer toutes les caractéristiques techniques, parce que déjà d'une, j'y connais pas grand chose. Je risque de dire beaucoup de conneries, passer pour un con. Mais en tout cas, en permis à deux, malgré que ça soit une moto de 2008, donc bridée en 37.5, ou en 34, peut-être, je sais plus. Je sais plus si c'est 34 ou 37, enfin bref, en 30 chevaux et des brouettes. Ça reste un très très bon choix pour les personnes qui veulent une moto sportive, en fait, tout simplement. Faut juste faire attention du fait qu'il n'y a pas l'ABS, ça, je trouve que c'est plus ou moins vital sur une moto désormais. Enfin voilà les gens, c'était le test de la SVS 650 de 2008. J'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos, notamment au Canada, je suppose. À la prochaine tout le monde. Peace. Bon. J'ai trop mal au poignet, gros, reprends là. Ah putain, ça fait trop mal. J'ai pas l'habitude, putain, ça pique. Hein. Oh. Ah mais je m'amuse bien dessus. Hein. What a dream in a million years I see. So many motherfucking people who feel like me, who share the same.